Et bonjour YouTube, on se retrouve pour la partie 2 du jeu de Blade, donc God of Monster, c'est ça, hein. Monster God, donc la partie 2, partie 1 où on avait du coup surtout une phase histoire, où on a eu beaucoup de dialogues. On est arrivé dans cette caverne là, et puis eh bien on s'apprêtait à sortir de la caverne et à découvrir peut-être enfin dans le monde dans lequel on a atterri. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite. Si ça vous plaît toujours, n'hésitez pas à lâcher un like, un YouTube, et à nous laisser un commentaire toujours pour nous améliorer. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, on est parti. Toujours avec Euronce, bien sûr, hein, qui est toujours là. Yes. Et hey, bonjour YouTube. Et donc le sol n'est pas pareil. Ok, on est toujours dans une caverne, mais avec un sol différent. Donc, je pensais qu'on allait sortir, qu'on allait trouver le grand air, mais non. Alors, the ground is not the... Bon, il cherche la sortie, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, ouais. Pour la faire courte. Et le jeu est généreux en items de soins. Ouais, là-dessus, il n'y a pas de soucis. Après, il n'y a pas de niveau de difficulté hein, dans le jeu, donc c'est la difficulté est gérée de base. Il a déjà fait des modifs, je lui avais rapporté quelques soucis et corrections possibles, il a dit qu'il changerait des trucs. Il faut croire que ça a été fait, si vous n'avez pas trop de soucis avec le ball combo, on verra la suite. Bah ouais, pour l'instant, en tout cas, le ball combo, ça marche bien, donc à voir. Oula. Et donc là, maintenant, t'as des combats aléatoires dans... Ouais. Après ça, je sais à quoi tu penses, mon garçon, mais c'est typique des anciens Final Fantasy, des anciens Dragon Quest, tout ça. Je n'ai rien dit. Ouais, mais je te connais, mon ami. Je t'ai entendu souffler. Depuis le temps qu'on se connaît, maintenant... Non, mais moi j'attends juste d'avoir Red qui pop à la sortie, et puis d'aller voir notre maman à la sortie, et puis voilà. Et on y est. RPG hot school. Ah bah voilà, notre lead, c'est bon. Alors, là il y a deux choses qui me dérangent. C'est le lit, il sert à quoi puisqu'il y a Monsieur Soin à côté. Ah oui, et c'est pourquoi c'est là. Ouais, bah, c'est après, le pourquoi c'est là. Alors... Après, il y a peut-être un explorateur, il y a peut-être des humains dans le jeu, on sait pas. Ouais, mais le lit, tu le fais, enfin ouais. Donc le chest est là, bloqué. Je peux pas ouvrir le coffre parce que t'as pas de main. Voilà. Ah, ok. Ah, ok. On est obligé de. Qu'on trouve quelque chose. Je vais pas dormir dedans, mais tu mets pas un lit. Enfin... Je veux bien, mais il faut trouver quoi. Ah. Ok, donc là c'est des flasques. Il y a trois trucs à trouver. Ok. Je n'ai rencontré personne dans cette cave. Ok. Faut trouver... C'est bien parce que c'est raccord avec les autres grottes, hein. Il y a des noosphères à petits partout. Donc au moins ça c'est raccord. Ouais, voilà, c'est tous les deux mètres. Ah bah on est raccord hein. Non mais ouais, moi je préfère les rencontres sur map où les monstres t'agressent.
pas très fan des rencontres aléatoires maintenant, en 2021. Enfin, après, le... Bah, en fait, si le c'est jeu... justifié, je dis pas. Le jeu se veut très old school. Mais bon, c'est vrai que là, c'est dommage parce que... Ah, on a obtenu une potion. Oui, j'ai vu. Ah, ça, c'est un item de base dans les RPG. Oui, non, mais ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. Oui, là, ça va, en vrai. Ah, t'as des potions dans tous les jeux, mais... Oui, les rencontres aléatoires, mais surtout que les maps d'avant, finalement, tu voyais les mobs et tu pouvais les agresser, en fait. C'est un peu étrange. En soi, je suis pas contre, mais faut que ça soit quand même relativement faible. Je pense. Mais ça marche dans Pokémon, parce que... la parce découverte. Que... Oui, non, mais si tu, tu veux évoluer, t'as le niveau de ça. Là, tu sais, tu gagnes des niveaux, mais tu sais pas trop à quoi ça sert, tu sais pas... là on gagne des niveaux mais on sait pas trop à quoi si on enfin, si on apprend des nouvelles attaques. Oui. Enfin des nouveaux skills parce que l'attaque en fait c'est juste toujours la même attaque. Elle évolue pas, j'ai l'impression. Bah elle changera certainement quand tu changeras d'apparence. Oui voilà c'est ça dans Pokémon c'est des zones. C'est les zones prédéfinies, les rencontres aléatoires. Donc a priori là c'est bon. On va pouvoir aller se soigner. Après. Ah c'est bien, on a fait 10 passes en. Oui tu peux courir. Mais alors du coup est-ce que c'est comme est-ce que s'il court, il va rencontrer plus de mobs ou pas? Ah comment on dash sur la manette? Moi je veux bien, mais... Il a prévu une touche sur la manette? Pour dash? Ah bah voilà. Non, le dab c'était tu vas pas rencontrer plus de mobs en cours. Ah. Mais y a pas de touche de prévu sur la manette pour tester toutes les touches. Bah... Je sais pas B par exemple. Enfin, je sais pas du tout d'ailleurs. Ah. Ouais. Les touches RM, t'as trouvé? Ah, effectivement. Comment ça sauvegarde? On va mourir, je suppose. Ouais, je sais pas. Ah putain, oui, c'est ça. Alors reste à voir si le jeu est bon ou pas, envie de le son. Hein. Oui. Moi s'il n'y a pas d'autosave ou machin, tant pis. Hein. Oh carapuce! Trop cool. Let's go. Ah oui là ça sent HP. Moi j'y crois à mort. Ouais j'y crois ça à mort. Va, j'y crois aussi. À mort. En vrai tu. Je pense que ça passe. On bouffe les champis puis ça passe. Moi, je sens, je suis toujours pro champi. MDR. Là, t'aurais pris 114 par exemple, si tu t'étais pas mis en garde. Alors. Item, on va utiliser des items alors, healing. Ouais. Ah mais il me 100 HP seulement. Bah, c'est beaucoup. Ça te met 263. C'est bien. Oh tu. Ah bah la potion Pierre, non, la potion à rencontre. Oh. Oh c'est. C'est un peu over the top comme animation pour un putain de. De simple petit mushroom qui te rend de la vie. T'as buté carapuce. Il grogne. Il grogne, mais il grogne. Tiens, truc intéressant, est-ce que t'as de la priorité ou pas? On va voir. Ouais, ouais, a priori non. Yeah, donc t'as gagné 100 d'or et 2500 d'XP. Ouais, ouais, c'est passé. Ouais,
Ouais, avant c'était buggé, ça rendait 30 ou 40. Alors, 2500 XP, level 10. Bon, après, j'ai l'impression qu'on monte quand même assez vite. Balmageddon a pris. Ok, on a pris un nouveau skill. Et donc là, tu vas te transformer, ok. What do you want, Suvi? Donc, qu'est-ce que tu veux? Ah, il est temps de se transformer. Ouais. Ok. Ah! Alors, bah... là, soit tu restes en slim, soit tu deviens un gobelin, soit tu deviens un esprit. Ça, je suis d'accord, mais du coup, ça change quoi? En fait, on sait pas si je prends ce gobelin, ça fait. Enfin. Ouais. Comment je peux savoir Ouais, je suis. Bah, ouais, là, par exemple, aurait fallu. C'est qu'est-ce que ça m'apporte de prendre gobelin ou spirit là, ou. T'auras de meilleurs stats qu'en slam, j'imagine. Bah, je suppose que les stats changent, oui, mais. Par exemple, le jeu, là, aurait dû te dire, vous pourrez changer par la suite, et il aurait pu te faire une interface qui t'explique, par exemple. Ok, ouais, bon, spirit, c'est la magie, gobelin. Slim, c'est défensif et gobelin, c'est attaque au corps à corps, j'imagine, donc, comme guerrier. Ouais, mais tu vois, là, il sait ce qu'il a joué, mais quand t'as pas joué. Ah ouais, quand t'as pas joué, tu sais pas. On sait pas, on sait pas. Donc. Ouais, je dirais spirit alors, du coup, je pense. Ouais, si tu veux jouer la magie, ouais. Je pense que je suis plus magique, hein. Allez, on va prendre spirit. On va voir un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est très bizarre. Mais pourquoi pas? J'ai un nouveau corps! Ce n'est pas très intéressant. Ok. Je peux bouger sans rebondir. Okay. Donc c'est le temps de quitter. Ok. Bon, est-ce qu'on va... est-ce qu'on va découvrir l'extérieur? Oui! On arrive dehors. Alors. Ah. Ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui vit dans cette cave. Ok. T'as de beaux cheveux. Attends une minute, tu n'es pas un monstre normal. Ton âme est différente. Are you Omnigardium? Ouais, donc, ok. Oh, je suis Deku. Je suis découvert. Mince! Je viens juste de revenir dans ce monde. Je dois m'échapper. Okay, n'aie pas peur. Ok, donc je suis le servant de la... personne qui t'a libéré, j'imagine. Ah, c'est le... Ça fait 20 ans que je t'attends. Le mec qui nous parlait au début. Ouais, c'est ça. Et je sais exactement... Prends ceci, s'il te plaît. C'est un élixir pour la télépathie. Okay, donc comme ça, tu pourras... Ok, donc il pourra te parler à distance, même s'il est pas là. Ça, c'est bien fait. Ouais, c'est justifié. C'est... Ça, c'est bien fait. Bon, après, il aurait simplement pu te mettre un pouvoir YOLO, quoi, d'ailleurs. Pas le mec qui te parlait au début, ouais, c'est son serviteur. C'est le serviteur du mec qui te parlait au début. Oui. Que j'ai... Tremblement de terre. Ce big man. Un arbre bleu, un gigantesque arbre bleu. Ouais, c'est ça, tu ne peux pas le louper. Faut trouver un arbre bleu. Thank you.
je reçois et je suis, j'équipe Wise Soul. Je sais pas ce que c'est. Mmh. Ok. Peut-être une armure ou quelque chose comme ça. Ouais. Tu dois retrouver un elfe près d'un gros arbre. Ouais. Attends une minute. Non. Il se barre. Ouais, c'est mon stuff. Ouais. C'est ce que j'ai supposé. Your name. Ouais, bon, on sait pas comment il s'appelle. Mais ok. Alors. Donc, je suppose que pour avoir. Regardez un peu si c'est du RPG, je reconnais un peu. Appuie sur Start, le menu peut-être, je sais pas. Deux. Un menu peut-être, je sais pas. C'est vrai qu'on s'est pas posé la question. Ah. Ouf. Ah oui, c'est. C'est... On va save. Ah, il y a une auto-save quand même. Donc c'est cool. Ça a sauvegardé là. Sûrement. Statut. Ah ok, ah c'est intéressant ça. Tu peux pas nous dire ça toi SMB au lieu de nous... Je rigole. Non. C'est le jeu qui aurait dû t'introduire... Ouais. Alors level 10, donc ok, donc on a bien des stats. Attaque, défense, magie. La défense magique, l'agilité là. Agilité. Et chat c'est quoi chat? Non. Charme. Ouais charme ou chance. Ah, chance. Ah, peut-être chance, ouais. Et MDef... Magic Défense. Ah, Magic Défense, ok. Okay to next ouais. Level, ok. Et White Soul, donc mon... Mon stuff. Ok. Ok, ok. Équipe. Y'a que toi. Attaque item, défense item, accessory. Ouais. Optimize. Clear. Ah. Oula. Non, ok, c'est bon. Ok, donc je gagne 10 de magie. Avec le White Soul. Ok. Je suis pas très fan du menu, hein, c'est un peu bordélique. Skill. Donc les skills, ok. Ah, du coup, on n'a pas les mêmes skills. Comme on a changé de perso, on n'a pas les mêmes skills. Ok. Ça, donc, c'est bien. Item, weapon, armor, kayatim. Ah. Ok. Et les key items, ce sera les objets rares, les ouais. Objets de quête, tout ça. Ok. Les options. Ok, ok. Pas de map, a priori. Ok, ok. Okay. Et il y a un team, journal intime. Le papillusion qui a pas. Non, c'est rare. Ah, mais c'est... en vrai. Alors, c'est un mix entre papillusion et Aspico. Ouais, c'est un Dardanian, quoi. Ah, j'ai eu Tardanien, ouais. Alors, Umbro, ouais. On va essayer Umbro, voir ce que ça donne. Après, je trouve que les animes, elles sont over the top, hein. Pour des petits spells basiques, je trouve que c'est trop fort, quand même. Enfin, genre, c'est trop fat, trop... imperpignant. Alors, tu vois, là, je l'ai rencontré en dehors des herbes... Tu vois, je voulais savoir, c'est est-ce qu'on pouvait rencontrer des monstres dans les herbes. Mais même hors herbe, a priori, on peut en rencontrer. Oui, c'est le petit lapin. Il a des yeux rouges, il fait peur. Partout. Ah, c'est dommage. C'est vrai, enfin... Ouais, c'est d'un ouais, point voilà. De vue level design, à quoi servent les chemins? À quoi sert de différencier pourquoi, les herbes à ça, quoi... Pourquoi mettre... Comment ça chope, là. Comment ça? Ouais, c'est dans ce cas-là, tu mets pas des hautes herbes. C'est ce que j'ai fait. Ça fait Ghost Cream, ça fait quoi Ghost Cream? Je sais pas. Je sais pas. On va faire ça. Là, par exemple, ça aurait été sympa que l'attaque de l'esprit, tu vois, ce soit une boule de feu, tu vois, par exemple. Une boule de feu violette à la place d'une attaque basique. Un esprit quand même, tu lances des sorts. Et la monnaie, on sait toujours pas à quoi ça sert. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un slim, je dirais. Gotan ouais, Morve. Non, c'est un slim. Ah, c'est l'évolution du slim.
Non, non, c'est le slim normal. Je sais pas pourquoi il est comme ça, c'est un slim vert. Ok. Pourquoi pas. C'est très bizarre. Mais hyper moche. Du coup, le lapin, on peut... Ah, il s'en va. Okay. Il est fini. Peut-être ça qu'il voulait dire par le choper, l'attraper. Ouais. La potion. Il y a des animaux normaux et il y a des monstres de RPG habituels, du coup. Enfin, je veux dire des animaux et puis. Et puis des monstres. Ah, par contre, ça va être hyper. Ah, t'aurais eu l'air de ça en évoluant en slime. Ah, ah toi, c'est bon. Toi, c'est ce que je disais. Ok, bah t'as fait le bon choix. Alors... Ah ! L'arbre vert... Je peux pas passer, c'est ça ? Ouais. Il lui faut des nutriments. D'accord. Okay. Bon. Mais il faut quoi ? Non, non, quoi non ? Il faut être un peu plus précis. Oh, abo. Oh, je suis chiant. Ah, ok. Si t'approchais... Ok, donc ne pas approcher pour devenir les propres nutriments du jus. De là. Ah. Minute, papillusion. Non, c'est abo. On l'avait pas encore eu, celui-là. Ah, l'elfe... Ok. La madame elf. Traduit. Je ne suis jamais fatigué de regarder ce truc. Dans le passé, cet arbre... C'est rien du tout. Les humains sont arrivés et ont commencé à couper les arbres de la forêt. Pour fabriquer des maisons. Ok, donc les arbres magiques ont disparu. Et donc c'est le seul restant. Ouais, d'accord. Ouais, en gros, elle a l'air de voir que t'es intelligent comme monstre. D'accord. C'est un peu compliqué. Tu utilises la télépathie? Quel genre de créature es-tu? Possèdes-tu un monstre? Ou le cerveau d'un humain? C'est trop long à t'expliquer. J'ai une demande pour toi. Ou live. Ouais, qui vit dans la cave où on était tout à l'heure? Le sorcier? Ouais, c'est ça. Il fait certainement des expérimentations, je ne sais pas. Alors, j'imagine. Yeah, c'est possible. You will explain me when... La forêt est en colère. Les... Ok, donc l'arbre qu'on a vu tout à l'heure, c'est le gardien de la forêt. Et il punit les gens. S'ils font des choses mal, j'imagine. Donc, pour le moment, tu dois juste aller voir des statues de Sylvas. Et accomplir leur trial. Ok, donc il va falloir le calmer, ok, c'est ça, ouais. Je n'ai pas le choix. Okay, je comprends, je n'ai pas le choix. Merci pour tes informations. Ok, donc tu vas devoir apaiser le petit arbre. Ok. Donc là, elle te donne un item qui normalement faut craft. Trois potions et trois magic water. Ok.
Merci pour ton aide. Si tu as besoin d'aide, reviens me voir. Tu es un bon PNJ, bravo. Ah, du coup, elle soigne. Ah, shop. Ok, donc c'est elle le shop. Ok, donc ça y est, on a donc notre Restore 100 PM, le Match Potter, une potion 300 HP. C'est quoi les PM alors? Les PM, c'est la mana. Bah quoi, c'est MP et après c'est PM. Parce qu'il a mal traduit. Voilà, on a fait. Ok. Sell, donc ça c'est pour vendre, c'est ça? Oui. Ok, et comme ça, ok. Ok, ok, et be healed, me soigner. Ok, donc on comprend mieux l'aspect de l'argent. La tunasse. Quoi? Mais c'est pas du jeu? Sur un 2 contre 1. Wesh. Salut Meta, bonne soirée à toi. A plus. Bonne soirée Meta, salut. Donc t'as une potion, mais... Ah, c'est dommage. Ça m'énerve. L'embranchement des arbres qui laisse penser une possible sortie, mais finalement, non. Ah oui, en bas, là. Oh, j'ai fait me y retourner. Mais du coup, non, tu peux pas sortir, y'a rien. C'est la tristesse. On va retourner voir l'autre arbre, je suppose. Ouais. Alors lui, on va l'appeler... Qui c'est la... Florizard. Bah c'est un... Merde, comment on appelle ça? On parle du monstre des Marvel là, dans Xenoblade, là. Ouais, un sac de nœuds, au pire. Ah oui, sac de nœuds, ouais, j'avoue. Ah mais c'est bleu, le sac de nœuds. C'est plus Florizard, quand même, que sac de nœuds. Pas mine de rien, ça va être assez varié dans le bestiaire peut-être même, ouais. Un peu trop pour un début de jeu. Des petits animaux partout. Alors du coup, faut retourner voir le petit arbre. Non, là je dirais qu'il faudrait retourner dans les grottes. Ah, tu penses? Ouais. À droite, statue. Comment ça à droite? Va à la fauche. Comment ça? À gauche. Ah, faut parler au statut. Ah, pour moi c'était du décor, mais ok. Oui, je les ai vus, les statues. J'ai vu les statues, mais pour moi c'était du décor. Fallait pas aller les voir. Si, si, parce que le jeu te l'a expliqué en anglais avant. C'est bien, ça te fait travailler l'anglais. Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler mon anglais? Je sais pas. Mon peu de niveau me suffit dans le peu que j'en ai besoin. Oh, mais ça va, je comprends 2-3 trucs, mais... Je sais pas, je connais... Il y a des mots, oui, forcément. YouTube, the statue and nothing happen. C'est tout fait une statue, il se passe rien. Ah, super. Tout ça pour ça? Oh, il y a une inscription. I don't move in my life and I walk around in my day. Ok, donc je ne bouge pas quand je vis
et je bouge pendant ma mort. Qui suis-je ? Je ne bouge pas quand je vis, je bouge quand je suis mort. Qui suis-je ? Mais ça va ! Oh, je viens de le traduire, mec. Déconne pas non plus. Non, mais... J'ai compris. Mais c'est la réponse. Non, mais c'est parce que je lis le chat, en fait, là. J'en sais rien, moi. Je ne bouge pas durant ma vie. Et je bouge quand je meurs. Ouais, il y a 5 secondes de décalage, je pense. Bah, de toute façon, appuie sur entrée, il va te proposer des réponses, je pense. Non, mais je vais trouver tout seul. Ah. Vas-y, s'il le dit direct après, là. Tiens, qu'est-ce qu'il pourrait ? Je bouge pas durant ma vie et je bouge quand je meurs. En tout cas, la con, ça, c'est des énigmes à la con, ça encore. Non mais tu sais, c'est les réponses genre le soleil, machin, tous les coups. Le soleil, ça bouge. Ah, ouais. Ah bah, D, la réponse D, tout de suite. Forcément. Austin, c'est une pierre. Un oiseau. Et Olive, je sais pas. Olive, c'est quoi, Olive ? Une plante. Ah mais... Ah, mais réponds la réponse D, je pense. T'es dans une forêt, mec. Bah, une plante, du coup. Oui, bah oui. Non, mais une feuille, oui, bah, c'est pareil. Ah, bah, c'est la feuille, bah, là. Oui. Je bouge pas quand je vis, je meurs quand elle tombe. Ouais, ouais, bah, ça doit être ça. Ouais. C'est la réponse possible, aussi, c'était l'âme, mais... Ok. Bien, t'as bien répondu. Bah maintenant, il reste deux statues du coup. Vers le bas, il y en a une ou pas, je sais pas. Non, c'était à gauche, à la sortie de la caverne. Ouais, bah alors, du coup, c'est un vrai problème. Le fait que ce soit en anglais, c'est un vrai problème pour le coup. Alors. Parce que, autant, si tu lis pas l'anglais, tu peux quand même. Jusqu'ici, tu peux quand même jouer. Parce que tu comprends le jeu à peu près. Même si t'es pas trop dans l'histoire. Mais là, si tu dois répondre à une énigme, si tu comprends pas l'énigme. Ah, compliqué quand même. Ça devient compliqué si tu parles pas anglais quand même. Hein. Donc pour moi, c'est quand même un vrai, vrai défaut du jeu. Autant avant, c'était pas gênant. Autant là, ça commence quand même à être très gênant. Il y avait qu'une statue à répondre là. Faut continuer vers le haut du coup, SMP. Tout ça pour mourir en fait. Oui, ça, il y en a une deuxième près de la grotte, c'est parce qu'il me semblait que j'en avais vu une tout à l'heure. Alors encore une énigme, je suppose, du coup. Ah, j'ai pas lu. Merde, c'est con. J'ai pas lu non plus. Ah, putain, j'ai pas vu la question. Bien, tu dois pouvoir répondre, je pense. Vas-y, réponse D. Vas-y, comme ça, on verra ce que c'est. Ah, voilà. Ok. Un monster attaque. J'ai mal répondu, donc il y a un monstre qui t'attaque. Ok.
Pas si grave que ça. Allez, vas-y. The more guard I have, the less I am. Ah, c'est ce qui t'avait marqué. Moins tu en as, mieux tu es gardé. Non, plus t'as de gardiens, moins bien tu es gardé. Moins tu en as, mieux tu es gardé. Oula, au secours. Alors, un trésor, un secret. Bah, un secret, hein. Oui, c'est un secret, oui. C'est assez simple, ça, pour le coup. Alors, est-ce que je peux me soigner comme ça? Pour quand même se soigner un petit peu. Et on va voir l'arbre du coup, je suppose. Ouais, je pense, ouais. Oui, c'est vrai, tu peux te soigner dans la grotte, sinon. Oui, mais on peut rencontrer encore des monstres. La flemme. Non, mais on a full item, autant les utiliser. Sinon, on fera pas le jeu en entier, donc... autant utiliser ce qu'on a. Ah, du coup, il y a plus l'arbre. Oh, mais c'est qui lui encore? Bah, c'est ton stuff. Ah, non, c'était ton armure là. Ah, ok, ah, donc là, okay. T'as fini c'est la fin de la démo. Ok. Bon, et bien c'est la fin de la démo. Bon, plutôt sympa quand même. On va en parler un petit peu juste après. Merci YouTube d'avoir suivi ce petit gameplay. Et on se retrouve très vite pour le deuxième jeu de Gears of War. Merci Ronce d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à nous suivre, à nous rejoindre en live. Toutes les VOD se font sur Twitch. On est en live à chaque fois sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. La chaîne sera en description de la vidéo YouTube. Et puis sinon, on se retrouve très vite YouTube. Allez, bye YouTube. Salut.